Bonjour. Bon, je vais commencer déjà en vous disant que je suis un peu dans la merde, parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de rencontres. Moi, c'est plutôt en général, dans les salons du polar, il y a des rencontres, mais il y a plusieurs auteurs, il y a toujours un type, comment on appelle ça, un modérateur d'ailleurs, qu'on appelle ça, qui est là et puis qui fait relancer Moi, je préfère plutôt ce genre de choses un peu interactives où il y a des questions, des réponses. Et en même temps, c'est vrai que quand j'ai reçu la proposition, là, je me suis dit, j'y vais pas. Et c'est toujours ce que je me dis en général dans ce genre de truc. Je suis un peu pas très à l'aise dans les institutions comme ça, je suis plutôt à l'aise dans des bistrots, dans des choses comme ça. Et puis après, j'ai convergé sur la notion de frontière. Et effectivement, hier, on avait des philosophes, un historien, donc un géographe. Et c'est vrai qu'il y a aussi toutes les frontières qui sont des frontières qu'on trimballe en soi. C'est-à-dire que je pars du principe que souvent, par exemple, la chose la plus courte de notre existence, c'est l'enfance, et pourtant, c'est celle qui dure le plus longtemps. Et c'est nous avons aussi nos propres frontières relationnelles, etc. Bon, et bien, je suis content parce que je sais pas. Parce qu'en fait, quand j'ai vu les interventions hier, j'ai vu que c'était ultra structuré, quoi. Et moi, je suis venu avec les mains dans les poches. Et je suis assez content finalement que tu aies gardé le texte, parce que je vais pouvoir le lire. Déjà, ça va. Et bah voilà, donc je vais lire le texte. Et la frontière de silence, donc c'est. Bon, je ne lis pas très bien, mais bon. À la lecture du projet de AERA, ma réaction fut tout d'abord négative. Pourquoi? Trop intello pour moi. Une formule lapidaire, sans doute une forme de lâcheté pour éviter de creuser, qui me sert souvent à décliner ce genre d'invitation. Cela dit, je ne suis pas très à l'aise dans les débats publics, hors bistrot. Pourtant, sans pouvoir définir les circonvolutions internes sous mon parasol à neurones, je me mis à gamberger. Ce refus réflexe est déjà une première frontière. Et je décidais de la traverser. Après acceptation, les emmerdes commencent, donc j'y suis. Et le premier est dans la rédaction d'un laïus explicatif, franchir la frontière. Du concept pour passer au concret d'une explication. Comment l'écrire? Dois-je employer la terminologie du projet lui-même et par mimétisme coller à la ligne interne de ses rédacteurs, ou à contrario ne tenir compte que des us et coutumes de mon regard et ma manière de transmettre mes points de vue sur un sujet donné? Quel passeport langage pour montrer patte d'encre dans une rencontre? Très vite, je notais alors quelques pistes de questionnement que voici en vrac. Frontière réelle et visible, et celle invisible. Différente pour un sans-papier ou un nomade de ce fitel. Un artiste, un traveleur avec chien, un touriste, voire aujourd'hui les frontières virtuelles avec le maître. Mon tas de gravats mentaux ainsi déposés, il fallait trier pour aplanir le terrain. À ce propos, les tris sélectifs qui nous définissent dans le champ social et culturel, famille, amis, lecture, vin, Bordeaux, Bourgogne, homo, hétéro, bi, voter à droite ou à gauche, imposés par sa naissance et son éducation, puis parfois aménagés ou complètement bouleversés par les rencontres et la capacité de curiosité et prise de risque inhérente à chacun, peuvent apparaître comme autant de frontières. Des frontières trimballées dans nos valises, bagages conscients ou inconscients sur lequel est inscrit notre premier territoire, nom et prénom. Pour conclure, le thème abordé me semble très large et bien évidemment chacun verra frontière à sa porte. Mais après tous les débats publics et installations artistiques, le silence des uns et des autres trouvera évidemment sa place, ce silence qui me paraît être l'un des éléments d'une frontière incontournable, la solitude. 7 milliards de frontières pour un seul univers. Comme d'habitude, pressé de conclure, j'ai voulu éluder le travail d'écriture, mais une lectrice intransigeante, pardon, a pointé le doigt sur ma ligne de fuite. Pas évident de parler de l'écriture, un boulot justement solitaire qui plus ou moins s'effectue sur des frontières. Passage du réel à la fiction, de sa table de travail à des rencontres publiques. Les frontières souvent indéfinissables car l'esthétique et l'acte de création au sens le plus large du terme ont aussi une part d'ombre oscillant parfois entre magie et folie. Mais au fond, artiste ou pas, la plupart d'entre nous cherchons à comprendre, chacun avec ses doutes et outils, le pourquoi et le comment de son voyage individuel et collectif. Qu'est-ce que je fous ici avec vous tous, vouloir savoir qui est le je, le nous de l'autre côté du jeu, même si, in fine, si la question aura toujours le dernier mot et le mystère de l'humain, pourtant creusé et creusé pour en extraire son secret, demeure intact de génération en génération. Une quête intime qui est peut-être un patrimoine commun universel, interrogation essentielle sans frontières, tout sur le fil du savoir. Voilà. En fait, en lisant, je me dis que c'était pas bon de le lire parce qu'en fait, c'est plutôt à lire quoi, sur papier. Voilà, donc en fait, ma première réaction, donc ça a été ça, quand j'ai reçu
quand j'ai reçu cette proposition. Et puis hier, quand je suis arrivé, j'ai regardé un petit peu l'espace, et puis je me suis dit, comment parler de frontières. Et donc je suis allé au bistrot en face, et je me suis dit qu'en fait, il y avait déjà une frontière. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si... Bon, sans doute qu'il y a des étudiants qui vont peut-être bouffer là-bas, ou boire des coups. Mais est-ce que, par exemple, j'ai vu quelques piliers là-bas, est-ce qu'ils traversent pour venir jusqu'ici? Est-ce que les gens, c'est une cité HLM, je crois, en face? Ça semble, mais c'est peut-être la résidence universitaire que tu as vue. Ah d'accord. Il y a les deux. Voilà, et je me suis dit comment... Toutes ces frontières qui sont... toutes ces frontières invisibles qui existent dans les villes, justement, par exemple dans certains quartiers, ce qu'on appelle les quartiers gentrifiés, la gentrification. Quelquefois, il y a sur une rue, il y a des pavillons, de l'autre côté, il y a une cité, et il n'y a jamais de... Avant, il y avait l'école publique qui permettait justement ce genre de lien, et en France, l'école publique a tendance à quand même vachement changer. Moi, je pense qu'il y a de moins en moins de mixité dans les quartiers populaires, notamment dans les écoles publiques. Voilà, donc il y a tout un tas de frontières comme ça, et c'est pour ça que... En fait, je crois que Dario m'a invité entre autres parce que tu avais lu le bouquin Sur le bord. Et Sur le bord, c'est un bouquin qui avait été commandé par les éditions Inuit, ça faisait des années qu'ils voulaient travailler là-dessus sur la notion de périphérie. Et ils m'ont demandé de faire une fiction autour de ça. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'était aussi les évolutions d'un personnage, c'est-à-dire quelquefois on est à la frontière de soi-même, et quelquefois évoluer, changer, se confronter aux autres, c'est aussi traverser des frontières comme ça. Et moi je me suis toujours beaucoup intéressé à la notion du traître, parce que moi j'aime beaucoup les traîtres. Parce que je trouve que le traître c'est celui qui justement crée des passerelles entre des mondes différents. On peut dire aussi transfuge. Et il y a une femme qui s'appelle Annie Ernaux, qui a écrit un très beau bouquin qui s'appelle Les années, qui parle beaucoup de ça. Et moi, je trouve que les transfuges sociaux sont intéressants, mais pourtant, ce sont un peu comme dans le bouquin de Jack London, Martin Eden, ce sont des gens qui ne seront jamais quelque part. Et c'est un peu... Et c'est, moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est effectivement les gens qui viennent, par exemple, d'un certain milieu social et qui accèdent à la culture, ce sont en fait des gens qui ne jouent jamais à domicile. Moi, je vois, par exemple, mes gosses... Ils ne viennent pas du même milieu que moi. Je me suis rendu compte il n'y a pas très très longtemps de ce que pouvait être l'analphabétisme de mes parents. Parce qu'un jour, mes fils vient voir et me dit « Papa, il faut que tu m'aides à réviser. » Alors moi, je pensais que c'était du français ou des trucs comme ça. Et il me tend son truc de solfège. Et je ne sais pas lire le solfège. Et là, d'un seul coup, je me suis dit « Il est dans un autre monde. » Il n'est plus dans mon monde. Et c'est intéressant parce que ce genre de frontement, donc ne jamais jouer à domicile, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne joueront jamais à domicile et qui auront toujours ce... Et donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, ça, cette espèce de traverser des frontières culturelles. Et d'un seul coup, je pensais à Jean Genet, que j'aime beaucoup, mais il y a des choses qui me gonflaient un peu chez Jean Genet, c'est-à-dire que chez Jean Genet, il y a ce désir, par exemple, il voulait tellement, je crois, faire plaisir à Sartre et à Beauvoir, leur montrer qu'il écrivait le français aussi bien qu'eux, que parfois ça en devient peu. C'est-à-dire que d'un seul coup, il voulait écrire avec le langage des dominants, et il singeait. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très compliqué quand on va vers la culture, comme ça, en tout cas avec un petit angle un peu social, comme ça. Dernièrement, j'ai lu un auteur américain qui s'appelle Eric Miles Williamson, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Bienvenue à Auckland ». C'est un bouquin d'une extrême violence, et même l'éditeur a hésité à publier, et il parle de ça, justement, de cette transgression de ce passage d'une frontière à l'autre. Et là, je suis en train d'écrire une petite nouvelle, on m'a commandé une petite nouvelle, et je me penche sur Sciences Po en ce moment. Pour ça, peut-être qu'en ce moment, j'en veux à Sciences Po, à Normale Sup, je sais pas pourquoi, mais c'est par rapport à ça, j'essaie de me mettre dans la peau d'un mec qui vient de banlieue, et d'un seul coup, dans cette espèce de promotion, on le jette là-dedans. Mais par contre, ce que Pierre Bourdieu appelait les habitus, il les a pas. Donc l'accès à la culture, ça va être chez lui déchirant. Et donc j'essaie de me mettre dans la peau de ce mec-là.
Et il y a quelques, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, il y avait un type qui s'appelle Didier Porte qui a été vidé de France Inter parce qu'il avait fait le truc du syndrome de la Tourette et il avait employé le terme enculé. Et c'était, comme il s'appelle, le ministre de Villepin qui l'employait, qui traitait Sarkozy d'enculé à plusieurs reprises. Et ce qui est étrange, c'est qu'il a été vidé par un mec qui s'appelle Philippe Val, qui était un type qui faisait de la satire. Et d'un seul coup, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, comment on dit enculé en normalien? Parce qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est que le langage, c'est le langage des dominés. Et c'est-à-dire que même quelqu'un, par exemple, même les plaisanteries, par exemple, à un moment donné, quand on se retrouve dans les milieux culturels, il ne faut pas se leurrer, c'est 98% des fils et des petits-fils de bourgeois, il n'y a pas photo. Et d'un seul coup, chacun va à un moment donné, mais à un moment donné, l'humour, il y a l'humour qui passe, mais c'est l'humour des dominants. D'un seul coup, on rit à certaines vannes, et d'un seul coup, moi ou d'autres mecs, on lance nos vannes, les vannes qu'on a apprises dans l'enfance, et d'un seul coup, il y a une espèce de silence. Et c'est pour ça que je crois que c'est pour ça que tout à l'heure, je ne sais plus avec qui on parlait dehors, d'autodidacte. Il y a de moins en moins d'autodidactes, par exemple, dans le journalisme. Et ça, c'est moi, je trouve que c'est assez grave, parce qu'en fait, vous écoutez les journalistes d'une chaîne à l'autre, ils parlent tous pareil. Et ça c'est, il n'y a pas du tout. Et effectivement, c'est surtout beaucoup de journalistes qui viennent de Normal Sup, mais ils ont exactement les mêmes réflexes. Mais on a tous ce genre de réflexes. Par exemple, hier, il y a plusieurs fois le terme aporie qui est arrivé dans la conversation. Et d'un seul coup, je me suis dit, je me rappelais plus ce que ça voulait dire. Et chez moi, il y a 3 radios. Il y a une radio, moi je ne peux pas me réveiller sur France Culture, donc on se réveille sur France Inter. Ma femme écoute France Culture dans la cuisine et elle met France Culture dans la salle de bain. Moi je mets de temps en temps Radio Nostalgie, je change un peu pour. Et je me rends compte qu'en fait, c'est quand on écoute les journalistes de France Inter ou France Culture, ils ont quasiment le même débit, la même terminologie. Et sur France Culture, que j'aime bien, qui est une radio que j'aime bien, c'est bien simple, vous ouvrez. Moi, je peux tout de suite voir, entendre que c'est France Culture, il y a toujours des superlatifs. Par exemple, le terme « extrêmement », c'est un terme qui revient énormément. Et donc, il y a ça. Et moi, c'est un de mes sujets de questionnement, justement, ce qu'on appelle les transfuges sociaux sur la culture. Et c'est pour ça que souvent, quand je fais des interventions dans des lycées, je demande aux gamins qu'est-ce que c'est une BM. Ils me répondent une bagnole. Je leur dis c'est aussi une bibliothèque municipale. Et je dis quand on est assis dans le siège de la bibliothèque municipale, on va plus loin que dans le siège de la Bayerische Motorenwerke. Et donc on commence à parler un petit peu de véhicule. Et je crois que je pense que notamment les gens qu'on dit dans les cités défavorisées, etc., c'est pas de fric qui manque. Moi, je crois que c'est de culture, surtout. Et c'est, par exemple, ce serait... qu'ils viennent à des endroits comme ça, par exemple. Il me semble que c'est surtout l'accès est beaucoup plus... à la culture est beaucoup plus difficile que l'accès à la finance, par exemple. Un mec qui aura plus facilement un DESS, je sais pas, d'économie ou quoi que ce soit, s'il est productif dans la machine, pas de souci. Par contre, je ne sais pas, pour faire des études, par exemple, rhétorique des arts, je ne savais même pas ce que c'était. Et je crois que c'est beaucoup plus compliqué de faire un cursus de rhétorique des arts, quand on vient d'un certain milieu, que de rentrer dans une école de commerce, en réalité. Parce que dans une école de commerce, on est tout de suite productiviste, et puis on sert vraiment la machine. Alors que je pense que dans des endroits comme ça, c'est plutôt des endroits où on questionne la machine, où on la remet en cause. Et c'est... Voilà, j'espère que je ne vois pas trop de... Vous avez des questions ou des réponses? Je sais pas, moi j'avais une intervention, j'y pense, depuis le début de ton intervention, tu parlais de la cité en face. Ouais. Et du problème de... Et du passage de la frontière, qui peut être une frontière physique, mais qui est aussi avant tout une frontière culturelle. Moi j'étais à la fac ici, il y en a des jeunes de quartiers défavorisés qui viennent à la fac, qui l'utilisent, parce que c'est un beau parc, ils viennent boire des bières ici. Mais ils viennent, ils passent la frontière physique sans jamais passer la frontière intellectuelle, culturelle. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'espace, le territoire, ils forment leur territoire ici, mais ils n'ont pas le même territoire que les étudiants qui sont ici. Parfois, il y a des échanges, mais ce sont des échanges on boit des coups, mais il n'y a pas, ils ne viendraient pas ici, à l'intérieur, par exemple, parce qu'effectivement, ils n'ont pas la capacité à passer cette frontière culturelle. 6-5 minutes,
et ils seraient perdus, ou alors ils auraient l'impression qu'on encule des mouches, ou alors que, enfin qu'on parle pour ne rien dire, ou alors qu'on est vraiment dans un autre monde. Et ils ont beau le pénétrer d'une certaine manière, physiquement, ils y entrent pas intellectuellement, en fait. Et c'est ça qui est finalement intéressant dans cette histoire de frontière, parce que la frontière est toujours multiple, et qu'on peut passer des frontières physiques, on peut passer des frontières intellectuelles, sans pour autant rejoindre le monde de la personne, de l'interlocuteur, ou je sais pas si je m'exprime très bien, mais... Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'il y a des frontières internes, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre du personnel. Et c'est pour ça que je crois que l'art est peut-être un des seuls endroits où, par exemple, la notion de classe sociale peut se briser. Je pense que dans d'autres domaines, c'est peut-être plus compliqué, mais l'art permet ça, justement, notamment la poésie, la fiction, tout ça. Et souvent, quand je fais des interventions avec des élèves, je leur demande la première chose que je leur dis, je leur raconte cette anecdote, on a demandé à 10 enfants japonais ce que donne la neige quand elle fond. Ça donne quoi, la neige, quand ça fond ? De l'eau. Moi, j'aurais répondu ça aussi. Il y a 9 gosses qui ont répondu ça, le 10e, il a répondu le printemps. Et je crois que c'est ça. Et justement, la culture permet justement de casser des schémas qu'on a. Parce que moi, je sais que j'avais une réelle haine sociale, je l'ai de temps en temps. Mais pas une haine, moi, avoir du fric, je m'en fous, j'en ai jamais eu. Si j'en ai, je le prends, mais j'ai pas de bagnole, j'ai pas le permis, je m'en fous de ça. Mais par contre, je savais que pour accéder à certaines relations au monde, quand t'es pas né dedans, c'est déjà, il y a une violence symbolique. Rien que de la manière dont tu t'assois, il y a des études de sociométrie qui expliquent que, par exemple, quand t'es sûr de toi dans le domaine culturel ou même universitaire, t'es chez toi. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de jouer à domicile ou de jouer à l'extérieur. Mais après, c'est vrai que, par exemple, justement ce rapport de classe, de classe sociale, parce que moi je pense qu'on n'en parle pas assez en France, par exemple. On rencontre des auteurs américains, moi j'ai rencontré des auteurs italiens, ils parlent de rapports de classe, et maintenant c'est un petit peu, presque un petit peu tabou, on dit, je discutais avec une copine qui se reconnaîtra, on discutait, puis elle me disait, il n'y a plus de classe sociale en France, je dis, c'est normal, t'es dans la bonne, non ? Quand t'es dans la bonne, il n'y a plus de classe sociale. Mais par contre, quand t'es chez les dominés, entre guillemets, et que tu travailles sur leur territoire et que tu te sers de leur langage, c'est autre chose. D'un seul coup, tu vois, t'es une espèce de schizophrénie sociale. Et moi, je l'ai vécu notamment dans la ville où je vivais, à Montreuil, parce qu'en réalité, quand il y avait une signature à la librairie, il y avait mes vieux potes, et puis bon, il y avait ce qu'on appelle les bobos. J'aime pas trop ce terme-là, même si je l'emploie. Et donc, il y a toujours cette espèce de dichotomie, et c'est pour ça, pour rebondir sur ce que tu disais, par rapport à ceux qui viennent ici, qui boivent des coups, qui sont in situ, qui sont sur le territoire, mais il y a un territoire mental qui est... C'est très compliqué. Et moi, je sais que, par exemple, l'art, la culture, la littérature, notamment une phrase de Cioran qui disait « Je n'habite pas un pays, j'habite une langue ». Et moi, je crois que la culture m'a permis de calmer certaines choses en moi, des choses un petit peu indicibles, comme ça, même si quelquefois, il y a des remontées, il y a des choses. Mais c'est pour ça que je crois, au début, quand je suis arrivé sur ce colloque, sincèrement, j'étais très réticent. Et j'étais même hier, c'était un peu compliqué. Et là, cette nuit, j'ai gambergé, je me dis non, c'est ça qui est important. C'est justement ce genre de choses qui sont apparemment gratuites. Et je pense que si des cursus comme Rhétorique des arts existent encore en France, c'est un combat, il faut se battre pour que ça existe. Parce qu'on veut tout niveler. Et c'est des choses comme ça qui échappent un petit peu au rapport de production, comme ça, à rapporter du fric. Et je crois qu'un des premiers passeports pour franchir les frontières invisibles, c'est la culture et c'est l'art. Et je pense que la culture est un... je pense que d'abord, il y a la culture de combat, la culture est un combat, et je crois qu'il faut se battre pour la culture. Putain, je vais devenir ministre avec des discours comme ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai lu ton bouquin sur le bord, que je conseille de lire à toute la salle. Euh, je,
Je vais te poser une question un peu personnelle, mais je la remets dans le cadre. J'explique un peu aussi pourquoi la lecture de Sur le bord, qui lui parle des périphéries et donc de quelque chose qui est en dehors d'une frontière, m'a questionné. C'est parce que sur son bouquin, Mouloud, il a écrit d'autres fictions sur la banlieue. Et en ouvrant ce bouquin, tout en ayant un seul objet dans la main, j'avais une récolte de nouvelles de fantasy, j'imagine, un roman en partie autobiographique, je ne sais pas quand c'est toi et quand ça ne l'est pas, et des articles d'urbanistes, d'architectes, d'élus locaux sur, qui parlent de leur expérience professionnelle ou personnelle de la banlieue, de qu'est-ce que la transformation de Montreuil a été, et un catalogue de photographies sur la banlieue. Donc un objet qui est déjà transfrontalier en soi, ça m'a touché aussi les frontières du langage que tu traverses dans les bouquins, parce que tu passes du bon français au langage, au langage des banlieues et des jeunes. Bref, moi, italien, qui vient d'apprendre cette nouvelle langue pour moi, le français, c'était un voyage très intéressant de faire aussi des clivages du passage de style de ton bouquin. Et du coup, ma question, c'était, parce que j'imagine que l'histoire du monsieur qui revient à Montreuil, c'est un peu ton histoire. Et justement, pour revenir à ce que tu disais, vis-à-vis des gens qui viennent ici traversant une frontière juste physiquement, comme le disait aussi Valentin, c'est quoi qui t'a fait traverser la frontière, toi, entre tes amis de Montreuil et les signatures avec les bobos, permets-moi d'aller librairie. Qu'est-ce que ça a été? Ou c'est trop personnel, tu ne réponds pas? Je me suis dit, non, mais c'est parce qu'il y a des belles filles au lycée, donc je me suis dit, il faut que j'aille au lycée. Bon, en fait, c'est, je crois que fondamentalement, essentiellement, j'avais conscience, bizarrement, jeune, de ce genre de genre de domination. Parce que moi, quand j'étais gosse, par exemple, je disais pas t'as qu'à faire ça, je disais tu n'as qu'à faire ça. Et déjà, je me suis rendu compte que le langage est un marqueur social. Et effectivement, on le voit tout de suite, quelqu'un par exemple qui a une costard cravate, qui dirige une entreprise, à un moment donné, si dans la conversation il dit il croive, tu vois, et d'un seul coup on sait d'où il vient. Et quand j'étais gosse, moi je lisais vachement Zola, j'ai lu pas mal de choses comme ça. Et moi je crois que cette espèce de traverser comme ça un peu un monde pour aller vers un autre, c'est, moi je crois que c'est vraiment la littérature, c'est les bouquins, j'avais vraiment envie, parce que d'un seul coup avec un bouquin tu découvres des univers que tu connais pas du tout. Après c'est vrai que même maintenant à 50 piges, j'étais persuadé que j'avais coupé cette espèce de difficulté sociale, et en fait non, pas du tout. Parce qu'en réalité, quand d'un seul coup tu as tes gosses, par exemple, qui sont à la fac, mes gamins sont à la fac, tous les deux ont le bac, j'ai pas le bac. Et d'un seul coup, ils évoluent dans un autre monde, tu vois leurs copains qui viennent à la maison. Et il y avait une anecdote, il y avait une gamine, quand ils étaient à l'école primaire, qui voulait absolument venir à la maison, mais mon fiston s'entendait pas très bien avec elle. Donc elle est venue une fois avec sa grand-mère s'assit sur le canapé, et j'ai observé le regard de la grand-mère sur des toiles. Il y a des toiles à la maison, mon beau-père est artiste peintre, donc il y a des toiles. Et mon fils ne pouvait pas imaginer le regard qu'elle posait là-dessus. Mais moi, j'ai vu son regard. C'est cool parce que ce regard, je l'ai aussi. Puisque moi, par exemple, j'ai encore des difficultés à rentrer dans une galerie de peinture. Et c'est... Et après, je crois que c'est... Donc ce voyage, je crois que c'est... Je crois que ce sont les bouquins et les rencontres aussi. Et puis, c'est... Et puis l'évolution et puis le frottement avec d'autres gens. Après, bon, j'ai toujours cette espèce de complexe, moi j'appelle ça un peu une tendance micromaniaque. Il y a les mégalomanes, il y a les micromanes. Et c'est-à-dire toujours de ne pas se sentir à l'aise et de se dire « j'y arriverai pas ». Effectivement, en venant ici, je me suis dit « j'y arriverai pas ». Ce matin, en me levant, je me suis dit « j'y arriverai pas ». Il y a toujours cette espèce de... Et c'est pour ça que je pense que la littérature, la peinture, c'est vraiment des endroits transfrontaliers. C'est-à-dire qu'on peut venir de n'importe quel monde, on peut écrire, on peut peindre. Et à ce moment-là, je pense qu'il peut y avoir une espèce d'osmose, un auteur qui vient d'un bidonville ou un auteur qui vient du 16e, à un moment donné, ils ont une fêlure commune.
Et je crois que c'était la fêlure de Fitzgerald, par exemple, son petit texte, cette petite nouvelle qui est un très très beau texte sur la dépression, c'est la fêlure d'un grand, grand bourgeois. Mais elle peut rejoindre complètement la fêlure d'un type qui est dans les champs ou qui est dans une usine. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est aussi cette espèce de fêlure qui traverse tout le monde, quoi. C'est vrai, je t'ai répondu ou c'est... Si, oui, non, moi, je reviens sur la question de... Merci. Je reviens sur la question de Valentin. Les questions de territoire, effectivement, que les jeunes viennent boire des bières ou faire ce qu'ils veulent sur le campus, donc c'est plus une question de pratique, en fait. Parce qu'on fréquente tous à peu près les mêmes territoires ou les mêmes espaces, et c'est une question de pratique. Alors, tu disais que tu ne savais pas ce que tu venais faire ici, que tu avais plus ou moins peur, mais finalement, si on regarde ici, moi, j'ai assisté à quelques colloques ici avec des éminents chercheurs. J'ai aussi assisté dans cette salle-là à des réunions plus ou moins stratégiques sur l'avenir de l'université avec le président, des choses comme ça. Et finalement, on est là aujourd'hui pour, et tu es là aussi pour parler de ton expérience, de comment tu vois les choses. Et pourtant, tu y arrives. C'est-à-dire que le lieu qui est ici, en principe, un lieu solennel qui a une fonction, et sa fonction, c'est de s'exprimer. Alors, la façon dont on s'exprime et la façon dont on pratique son expression, ou l'expression tout court, ça dépend vraiment de chacun et ça ne pose pas de problème de parler finalement, a priori, puisque tu y arrives. Et cette frontière-là, tu l'as dans l'a priori, c'était j'y arriverai pas, et pourtant tu y arrives. Et c'est un peu comme un gamin de banlieue qui va à Sciences Po ou autre avec les quotas qu'il y a maintenant. A priori, il n'a pas de chance d'y arriver, et il peut se dire j'y arriverai pas, sauf que finalement il y arrive. Parce qu'en se donnant les moyens et en adoptant une pensée positive, en se disant, même si au départ j'ai pas toutes les armes, je peux me les donner et je vais y arriver. Et moi, si je prends mon parcours personnel, je te disais tout à l'heure, j'ai pas le bac non plus. À l'école, j'étais un cancre parce que ça m'intéressait pas surtout. Mais donc j'ai pas le bac, je me retrouve à finir un doctorat en géographie, et tout simplement parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, ben voilà, je suis dans tel système, je l'intègre. J'ai pas vraiment l'impression d'être à ma place. Et souvent, quand je donnais des cours aussi pendant ma thèse, j'avais l'habitude de dire à mes étudiants que je suis un escroc, parce que je ne suis pas un vrai prof, je ne suis pas vraiment là de façon naturelle. Mais pourtant, j'y arrive, je me suis donné les moyens, et bon, même si je ne me sens pas très à l'aise, je peux le faire. Le tout, c'est de voir que je peux le faire. Et ça me semble assez important, même dans la vie de tous les jours, de se dire que cette frontière-là, je peux la dépasser si je m'en donne les moyens. Alors, c'est souvent facile à dire, il n'y a qu'à Faucon. Mais puisque d'autres l'ont fait, pourquoi moi je ne suis pas plus idiot que les autres, j'y arriverai pas à le faire. Après, l'exemple notamment que tu donnes par rapport aux gamins qui vont à Sciences Po, des choses comme ça, par exemple, justement, ils ont constaté que les gamins qui venaient justement des cités et qui allaient à Sciences Po, là où ils se plantaient, c'était sur la culture générale. Et la culture, la culture générale, c'est quelque chose qui est finalement, quand tu es dedans, tu vois, c'est autre chose, c'est vraiment... Mais là où tu as effectivement raison, c'est qu'à un moment donné, pourquoi pas traverser, c'est aussi une prise de risque personnelle. Et moi, souvent, par exemple, on m'envoie avec mon nom et mon prénom, on m'envoie pas à l'ENA faire des ateliers d'écriture, mais plutôt en banlieue. Donc, bon, d'ailleurs, j'en ai un peu marre, moi, je préfère les lycées de Bourges, et souvent, tu as les gamins qui disent, monsieur, j'ai une double culture, notamment les gamins d'origine maghrébine. Je leur dis, non, vous avez une double culture. Tu connais pas la culture de ton pays d'origine. Tu ne connais pas la culture française, et le français de souche, entre guillemets, qui faisait le lien dans les années 70 pour transmettre sa culture, il ne la connaît pas non plus. En fait, ils sont dans un bouillon d'inculture. Et c'est pour ça on en revient justement à la culture. Et la culture, c'est justement ce qui brise les murs invisibles. Alors, on peut faire des révolutions pour briser les murs visibles, mais la culture, je crois que c'est ce qui permet justement des connexions entre des mondes totalement différents. Et qui aussi, en tant qu'individu, nous permettent aussi de justement, comme tu dis, de prendre des risques, d'aller vers l'autre et de bouger, d'essayer de bouger mentalement. Moi, j'ai raison, oui, c'est bon. Moi, je suis le premier convaincu. Parfois, à un moment, mouiller la chemise et un peu, il faut mouiller la chemise et il faut y aller parce que sinon, on ferait pas grand-chose. En revanche, j'ai une question pour Dario, avant que quelqu'un ait encore une